Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la FETV, bonjour et bienvenue sur votre émission au Chevet des Lettres. Au Chevet des Lettres, l'émission qui donne la parole aux écrivains, aux chercheurs et aux hommes de culture. Pour ce numéro, nous avons comme invité M. Yaya Fomba, qui est auteur, réalisateur et mécène. Avec lui, nous allons parler de son livre « Les soldats de l'espérance » et bien entendu parler des cinémas. Donc Yaya Fomba, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de l'invitation. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le fond du sujet, est-ce que vous pouvez nous donner un bref résumé du livre « Les soldats de l'espérance » pour que les téléspectateurs puissent être dans le bain? « Les soldats de l'espérance » est un roman que j'ai écrit en 2013 et qui retrace le parcours de deux jeunes un peu particuliers. Un policier plus un sociologue qui sont plutôt allergiques un peu à la mauvaise gestion, à la mauvaise gouvernance. Et il y a un qui va se retrouver un peu en prison. On va profiter de ce moment-là pour dépeindre un peu l'univers carcéral au Mali, qui est vraiment l'un des lieux les plus mal gérés. En plus de la privation de liberté, il y a beaucoup de rebondissements au sein de nos prisons et qui méritent d'être un peu mis en exergue. Mais quand ils arrivent à l'extirper de cet environnement-là, lui va prendre le chemin de la politique pour essayer de s'investir plus dans la gestion de la cité. Donc c'est un parcours, c'est un roman qui fait un peu le parcours de ces deux jeunes hommes. Mais en même temps, on essaie un peu de montrer l'abyssal écart entre le monde dans lequel on vit et le monde auquel on aspire. Parce que véritablement, on essaie de montrer que les comportements, les agissements vont à l'encontre de ce à quoi on aspire comme monde qu'on devrait léguer aux générations futures. Très bien. Alors, les deux jeunes, il s'agit de Modibo et de Dougmalé. Alors, le personnage de Modibo, on voit que vous essayez, je suppose, de montrer que dans l'administration malienne, il y a quand même des gens qui sont intègres, qui arrivent à faire les choses dans les règles de l'art. Maintenant, au-delà de ça aussi, Dougmalé, qui est aussi un policier intègre, on va voir qu'il va avoir un coup bas de la part des autres porteurs d'uniforme. Est-ce une réalité que tu essaies de dépeindre? Bon, comme je l'ai dit, c'est un roman qui parle beaucoup de l'affection, mais il y a quand même beaucoup de situations dans le roman qui sont inspirées de faits réels, de situations réelles, on va dire. Et le personnage de Dougmalé, en fait, Dougmalé, c'est le nom qu'on a donné à ce monsieur, mais c'est le nom d'un ami qui m'est très cher et qu'on donne à ce policier-là. Mais toute la situation de piège dans laquelle il tombe est une situation fictive. Mais il y a quand même certaines réalités dans notre environnement professionnel où on voit des gens se débattre dans un milieu très hostile pour essayer d'être le plus intègre possible. Donc c'est une illustration au fait et un hommage qu'on rend un peu à ces gens parce qu'au Mali, travailler dans une administration publique en montrant patte blanche est extrêmement délicate, surtout un environnement où circulent beaucoup plus les fonds publics. Il y a aussi la condition de la femme, surtout la femme active au Mali à travers les personnages de Assiatou Sow. Oui, Assiatou Sow, nous avons essayé de montrer qu'au Mali, il y a quand même ces aspects de genre qu'il faut toujours tenir en compte. Et les femmes sont capables d'assumer certaines responsabilités, et souvent beaucoup meilleures que certains hommes. Je ne fais pas de comparaison ni d'antagonisme entre hommes et femmes, mais il faut essayer de montrer que chacun d'entre nous a une place dans cette société. Assiatou Sow est ministre dans le roman, et c'est quelqu'un qui est bien apprécié, mais qui est obligé aussi de se faire un peu avec les exigences politiques, mais aussi les exigences des partenaires financiers, et souvent qui vont un peu à contre-courant des réalités que nous avons ici.
Donc c'est un peu, son personnage est vraiment crucial. Non seulement ça devrait constituer un exemple pour la jeune féminine, mais aussi essayer de mettre les hommes à contribution pour comprendre que le développement ne peut être qu'inclusif si on veut vraiment y prétendre quoi. On sent aussi, malgré sa compétence et tout, que c'est une personne et elle a des faiblesses. Et parmi ses faiblesses, elle va tomber amoureuse de Modibo. Oui. Au fait, ça aussi, c'est une réalité dans nos administrations. C'est... Malgré qu'elle était mariée. Oui, c'est une grosse faiblesse dans nos administrations. Vous savez, au Mali, en général, les gens se marient très vite et changent d'environnement, surtout après le mariage. Parce que il faut comprendre que la réussite professionnelle vient de plus en plus tard au Mali. C'est rare de voir un jeune occuper une grande fonction. Et quand vous occupez une grande fonction, non seulement la fréquentation, l'environnement change, vous rencontrez de nouvelles personnes, des personnes qui peuvent vous sembler plus intéressantes que les personnes avec lesquelles vous avez déjà partagé vos vies. Donc souvent, ça entraîne des chamboulements. Et c'est ce genre de chamboulement qu'on a essayé de montrer un peu dans ce roman, où c'est vraiment illustrateur de pas mal de situations. Dans beaucoup de nos administrations, quand les gens changent de service, de grade, ils rencontrent de nouvelles personnes. Et souvent, il y a un certain regret déjà de la vie de couple, des situations amoureuses dans lesquelles ils sont. Mais notre société aussi contribue à maintenir les gens dans un carcan, même s'ils ne veulent plus. Donc du coup, conciliation entre ce que la société veut et ce que nous on veut, les gens choisissent souvent... pas forcément la bonne route, le bon chemin. Et dans ce livre, en conclusion, l'histoire de Modibo et de Assetou va finir comment? Bon, au fait, c'est une histoire qui n'est pas normale. Et Modibo, c'est un homme intègre, mais bon, vous savez, chaque homme, bien que vous ayez vos qualités, vos principes, les gens, personne n'est parfait. Les gens ont des passions auxquelles ils résistent souvent. Mais souvent, ils peuvent tomber dedans. Modibo, il est un peu dans cette situation comme Assetou d'ailleurs. C'est une situation qui n'est pas normale et au fil du temps, au fil du roman, il parvient à s'y ressaisir et chacun va essayer de sauver un peu la face. Modibo pour sauvegarder son foyer à lui et Assetou pour paraître plus digne devant la société et obligé aussi de se rétracter un peu. On constate que les thèmes sont vraiment des thèmes d'actualité. Par exemple, quand on prend l'agriculture, il n'y a pas longtemps, il y a les agriculteurs de la zone de Sikasso qui refusent catégoriquement de semer le coton, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc on voit les mêmes thèmes développés dans les romans. Oui. Vous savez, quand on parle de mauvaise gestion au Mali, en général, on s'indexe les uns les autres. Mais en réalité, c'est tout le monde qui est concerné. Et il peut pas y avoir de développement sans la bonne gouvernance. C'est vraiment le thème central même du roman. C'est-à-dire on ne peut pas avoir des raccourcis au développement. Si nous voulons imiter les pays développés pour être un peu au même niveau que ces pays, il faut vraiment que nous empruntions le même chemin. Mais on constate que ici c'est plutôt les raccourcis qu'on privilégie. Et c'est ce qu'on essaie de dire dans le roman, que pas forcément les pays qui regorgent les ressources naturelles, les plus grandes réserves de ressources naturelles, n'assurent pas le développement. Si c'était ça, le Congo, la Guinée qu'on a créée aujourd'hui ne serait pas appelé scandale géologique par les experts. C'est pas forcément les pays les plus anciens non plus qui sont les pays développés, sinon l'Égypte serait le pays développé aujourd'hui. Et il faut voir, il y a des pays comme le Canada qui n'étaient pas expressifs il n'y a pas très longtemps. Des pays comme le Japon qui ont à peu près 30% de terres exploitables seulement. 70% c'est constitué de roches, de mers, etc. Mais qui aujourd'hui constituent une très grande puissance. Il faut que nous comprenions que, honnêtement, c'est la bonne gouvernance qui peut nous sortir de cette situation de pauvreté latente que nous avons dans ce pays. Et l'agriculture, qui devrait être le socle de notre développement, aujourd'hui, en fait les frais, on a connu beaucoup d'épisodes de scandales par rapport à la gestion de l'agriculture au Mali. Et ça continue. C'est un des thèmes centraux, du roman, surtout la cotonculture, où il y a un gros décalage entre la mentalité du paysan et le marché mondial. Dans le roman, on essaie de montrer que si tu demandes à un paysan malien au fin fond de Sikasso, qu'est-ce que c'est qu'un marché mondial? Lui, peut-être qu'il va même penser que c'est une infrastructure physique qui est là, tout, les gens... au fait, il y a un gros décalage. Donc, il faut qu'on revienne un peu à la base.
Donc l'agriculture, c'est un thème qui va toujours revenir dans la question de développement du Mali. Mais il faut que ça s'accompagne de bonne gouvernance pour que nous puissions sortir de cette situation très regrettable pour tous les Maliens. Je m'excuse, il y a juste une étude de la Banque mondiale vers 2010 qui disait que le Mali, avec à peu près 5 à 10% de transformation de son coton, ferait sortir de la pauvreté plus de 2 millions de Maliens. Et imaginez si nous parvenions à transformer 20-30% du coton, combien de Maliens sortiraient de la pauvreté. C'est énorme. On voit aussi qu'il y a le banditisme des grands chemins qui est présent dans les livres et quelque part aussi c'est une réalité. Est-ce que la probité va l'emporter sur le banditisme? Normalement, oui, parce qu'on a laissé une porte ouverte à la suite pour le roman. Comme je l'ai dit, même la sévérité du banditisme au Mali, si vous enlevez un peu la mauvaise gouvernance en la matière, ça va beaucoup se réduire. On a des bandits de grand chemin qui n'ont pas rendu compte à la société à travers la justice. Je ne sais pas, vous vous rappelez, il y avait un Tunisien à un moment qui avait échappé même des cellules de la sécurité d'État. On ne sait pas comment est-ce que c'est arrivé. À longueur de journée, il y a des reprises de justice, souvent que les populations lynchent parce qu'ils n'ont plus confiance. Donc, vraiment, il faut que nous ayons un système de gouvernance axé sur une justice sociale, une justice où les communautés elles-mêmes, à travers les représentations, serait vraiment actrice et non seulement justiciable. C'est vraiment ça qui peut nous faire sortir de cette situation. Et sur la question, il y a un autre manuscrit qu'on a presque fini, sinon fini déjà, qui va traiter un peu de ce sujet de justice sociale, essayer d'illustrer un peu comment la justice se passe et proposer des solutions de participation citoyenne pour rendre la justice. Peut-être voir si le juge peut être responsable uniquement que de la sentence et laisser le verdict à des jurés, mais qui ne sont pas sélectionnés comme on le sait, ça se fait actuellement. Il faudrait vraiment que leur choix ne soit pas connu à l'avance et parmi des couches pour lesquelles on a le plus de confiance, pour qu'une justice sociale puisse être bien rendue afin que nous améliorons un peu les conditions de vie. Est-ce qu'au finish, les soldats de l'espérance vont donner de l'espoir? En tout cas, c'est l'idée. J'ai essayé de montrer que malgré cette corruption qui gangrène notre pays, nous avons tous notre responsabilité dedans. Il y a quand même des gens qui ont vocation, qui se battent du jour au jour, tous les jours, qui se battent contre ça et qui se battent pour donner l'exemple. Donc c'est d'ailleurs pourquoi le titre « Les soldats de l'espérance ». On a essayé de montrer que vraiment ces gens-là au Mali, tous ceux qui se battent contre ce fléau, qui ne le font pas d'ailleurs d'abord, mais qui essaient de montrer l'exemple à travers leur comportement, vraiment c'est là qu'on suscite de l'espérance pour ce pays. Très bien. On espère que le Mali aura beaucoup de Modibo et de Dougmalé. On espère aussi. Ce qui va contribuer à son essor économique. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'écriture? Oui. Après ça, il y a quand même quelques manuscrits. Un sur un peu une histoire fictive qui se déroule à Tombouctou. Mais c'est quand même, ça prend Tombouctou depuis la genèse jusqu'au jour moderne et qui s'arrête un peu à l'occupation de cette ville si mystérieuse et si connue à travers le monde. Donc c'est une famille qu'on essaie de prendre depuis les origines de Tombouctou jusqu'à leurs descendants, jusqu'au temps moderne, où on parle un peu aussi de conditions générales des régions du nord du Mali en général, mais aussi de Tombouctou, de toute cette aura qu'elle a eue à travers le monde, et comment est-ce qu'elle est tombée dans la décadence entre les mains des groupes radicaux. Essayer de montrer un peu les responsabilités des uns et des autres, de l'État. Parce que quand il n'y a pas de bonne gouvernance, ça laisse la place à tellement de choses que ce n'est pas possible. Donc du coup, on essaie d'expliquer un peu cette invention qui est due à des mouvements de rébellion qui, elles aussi,
ce mouvement-là aussi qui se focalise un peu sur des questions de mauvaise gouvernance, mais aussi à la montée de l'extrémisme violent qui se conjugue un peu à l'indifférence de la population par rapport à la chose publique et tout ça qui concourt un peu à ça. Donc ça, c'est vraiment un roman dans lequel j'ai mis un peu l'âme pour montrer cette ville que les gens connaissent déjà, hein, mais qu'il faut encore remontrer. Ensuite, il y a un roman, comme je le disais dans l'autre intervention, un roman un peu sur la justice sociale, mais ça, c'est plus des nouvelles de situations de justice qu'on donne, mais à la fin, on finit par proposer des solutions de participation de nos populations, parce que c'est en notre nom que la justice est rendue. Donc, si les populations pouvaient participer, ça déresponsabiliserait même un peu nos gouvernants, parce que si la justice n'est pas bien rendue, nous en serons responsables en quelque sorte. Donc c'est quand même des manuscrits qui sont finis. Et j'espère qu'avec Tombouctou Culture bientôt, peut-être dans quelques semaines, ces manuscrits-là seraient des romans disponibles. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec Yaya Fumba. Et pour encore parler de son livre « Le soldat de l'espérance », c'est une très belle histoire qui se déroule dans ce roman. J'ai personnellement aimé. Et si on a besoin de ce livre, est-ce qu'il est disponible ou est-ce qu'on peut l'avoir? Non, pour le moment, on est en rupture de stock parce que le roman a été édité en France par Edit Livre depuis 2013. Tous les exemplaires qu'on avait eus ont été écoulés. Et maintenant, je crois que dans quelques semaines encore, de nouveaux exemplaires seraient disponibles avec Tombouctou Culture. Très bien. Donc, j'espère que dans quelques semaines seulement, c'est là. Très bien. Dans ma présentation, quand je vous ai présenté, je disais que vous êtes mécène aussi parce que vous participez beaucoup dans le financement de la culture à Tombouctou. Alors, est-ce que au-delà de la littérature, vous investissez dans d'autres secteurs de la culture? Bon, on fait du cinéma aussi, effectivement. On fait du cinéma. Pour le moment, on a fait une série de 15 épisodes qu'on a appelé Tombouctou de nos jours. Tout ça, c'était pour montrer un peu que à Tombouctou, malgré cette occupation djihadiste, beaucoup de Maliens au sud du pays se posent encore la question si à Tombouctou, pour marcher, il ne faut pas se baisser pour éviter les balles. Les gens ont des appréhensions, ça se comprend, parce qu'au Mali, on voyage peu, surtout à l'intérieur du Mali. Et aussi, les nouveaux intellectuels, nous avons un taux d'alphabétisation qui n'est pas à souhait. Donc, du coup, les gens ont des a priori, beaucoup de stéréotypes sur ce qui se passe au nord du pays. Donc, on a voulu faire cette série-là pour montrer que ça arrive, les gens sont résilients. Et que malgré, même durant la crise, il y a des Tombouctouciens qui sont revenus. Surtout à fortiori après la crise, il y en a qui, même s'ils ont des postes quelque part, ils préfèrent rester un peu dans cette ville qui leur paraît tout le temps nostalgique, même s'ils vivent. Donc on a quand même fait cette série dans cette idée de montrer que ça vit, et ça vit avec ses propres réalités. Donc c'est ces propres réalités-là qu'on a essayé de montrer à travers cette série, avec des mariages forcés, des disparitions d'enfants, des problèmes de couple, un peu le problème ordinaire de tout le monde, quoi. Donc, voilà, quand vous parlez des Tombouctiens qui essayent de retourner malgré les difficultés et tout, ça me rappelle une de vos citations dans les livres. C'est comme à Ségou, quand vous dites que le Ségou vient, même s'il se retrouve à New York, ils vont se dire « et si on était à Ségou ?» Si on était à Ségou, oui, ouais. Ça c'est vrai. En Bambara, ils disent « ah, les Nungwa que Ségou est ça ». C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont un peu proches des Tombouctouciens en ce sens-là. Et c'est ce que les Bamakois disent, qui... Pour chaque fête de Tabaski, vous verrez que Bamako se vide carrément. Parce que c'est des gens, ils se retrouvent à cette occasion, comme les Tombouctouciens se retrouvent pour le Maoulout. Et la fête de Tabaski, ils sont tous là-bas. Donc, ils sont un peu nostalgiques comme les Tombouctouciens. Exactement. Voilà. Je rappelle que Tombouctou de nos jours a été diffusé sur Alafia TV et les gens ont beaucoup aimé. Qu'est-ce qui a fait que les gens ont aimé? Est-ce que c'est parce que c'est diffusé en soirée? Pas que, hein. Les soirées ont beaucoup apprécié parce qu'il y a une vieille soirée qui m'a dit à Tombouctou que bon, ils sont fiers de regarder
leurs proches et d'écouter leur langue à la télé parce qu'ils sont tout le temps devant Novelas pour regarder des gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils sont quand même fiers de voir ça. Mais je crois que ça a montré aussi aux Tomoktouciens qu'ensemble, ils peuvent redonner vie à cette culture de Tomoktou. Et je crois qu'il y a trop de fierté pour les Tomoktouciens, surtout qui sont à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens aux États-Unis, en France, qui ont regardé la série et qui sont extrêmement fiers. Ils appellent directement leurs proches qui ont fait le film, les acteurs, et ils montrent un peu leur fierté. Et sur YouTube, c'est extraordinaire aussi. Chaque épisode qu'on met, on a à peu près des 30 000 vues, des 40 000 vues pour les différents épisodes. Et les gens ne cessent de demander encore quelle suite on peut donner à la série, etc. Donc je crois que la réussite a dépendu de beaucoup de facteurs. Du fait qu'il y a la fierté tomoktoucienne, bien sûr, qui fait que les Tomoktouciens sont fiers d'eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui se sont reconnus à travers le film. Mais aussi, je crois que les histoires qu'on a développées dans la série reflètent aussi un peu la réalité des Tomoktouciens. C'est toutes les histoires d'autorité parentale, où on exige du fils, malgré ses responsabilités, malgré son niveau d'études, il reste le fils et c'est les parents qui décident. Donc je crois que les gens se retrouvent un peu dans les situations comme ça. Entre autres, ça peut expliquer un peu pourquoi les gens ont aimé un peu. D'accord. Vous avez aussi tourné deux longs métrages, Albinos et Mal Profond. Et dans lesquels tu as tourné toi aussi. Ça, il faut que je le dise aux téléspectateurs. Même dans la série aussi, tu as tourné ça, il faut qu'on le rappelle. Le long métrage, vraiment, ça va un peu dans la droite ligne du livre, du roman. Le long métrage, vraiment, on les a fait sur des thèmes de mauvaise gouvernance qu'on connaît. Parce que nous, on parle de l'idée que vraiment la mauvaise gouvernance est à la base de tout, toutes ces mauvaises conditions de vie. Donc, le Mal Profond, ça retrace le parcours d'un entrepreneur qui est buté un peu à l'administration publique. Parce que chaque porte qu'il tape, il y a des dessous de table qui sont réclamés. Il y a des falsifications de faits dues à la corruption. Et quand il veut se réveiller un peu contre tout ça, il se retrouve en prison. Et on essaie de montrer un peu comment est-ce qu'au Mali, les choses se passent en toute réalité. Donc ça, c'était Mal Profond. Le deuxième long métrage s'appelle Albinos, qui est fini, dont la sortie est programmée en fin novembre. Mais honnêtement, ça ne concerne pas trop Tombouctou. C'est plutôt le reste du Mali, surtout à partir du sud, où les albinos vivent un véritable calvaire. Je me rappelle moi-même l'année dernière, mon papa qui est à Ségou me disait qu'ils ont retrouvé le corps d'un jeune albinos sous le toit d'une école avec certains organes emportés. C'est une triste réalité qui se passe au Mali. Dans beaucoup de localités au Mali, les albinos ne sont pas les bienvenus. Il y a des villages où les albinos ne sont pas du tout les bienvenus. Il y a beaucoup de localités où ils sont tués, mutilés, des organes emportés pour des fins de maraboutage et surtout à l'approche des élections. Chaque élection. Je me rappelle le livre de Soumaïla Cissé où il raconte qu'un marabout lui dit pour être président de la République du Mali, il faut qu'il sacrifie un albinos. Et lui, il aurait répondu que si c'est ça, vraiment, adieu la présidence. Ah. Donc ça montre une certaine réalité. Et albinos, on a tourné vraiment pour rendre hommage aux albinos, le courage qu'ils ont, les parents des albinos aussi, toute cette attention qu'ils portent à leurs enfants et pour une bonne cause d'ailleurs. Mais aussi, on a essayé de montrer la toute réalité au Mali où 95% des coupables d'assassinat d'albinos ne sont jamais arrêtés. Pas du tout. Les quelques suspects qu'on arrête, c'est des mini-frétins par rapport aux commanditaires. Exactement. Voilà. Donc c'est un film qu'on a fait pour ça. Selon ton appréhension, est-ce que le cinéma peut contribuer à l'éducation publique? Clairement. Vous savez, aujourd'hui, la télévision est l'un des canaux de communication qui porte le plus de fruits. Les livres au Mali, tout le monde sait, les gens ne lisent pas. Mais la télé, on suppose que pratiquement dans chaque foyer aujourd'hui, il y a au moins une télé, sinon plusieurs télés. Ah. Les gens sont accrochés à la télé. Et la télé ne constitue plus le seul moyen de véhiculer
Il y a plusieurs types d'écrans maintenant, avec les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les smartphones, qui sont aussi des moyens pour véhiculer le cinéma. Donc du coup, nous pensons que nous atteignons 10 fois plus de public avec les messages que nous apportons. Et nous pensons que ça a un impact. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les gens qui sont un peu très connus sur les réseaux sociaux des influenceurs. Parce qu'on suppose qu'à travers leur comportement, ils influencent un peu. Négativement ou positivement, ça dépend de l'appréciation de tout un chacun. Mais je pense que le cinéma aussi, c'est de l'influence. Au fait, on conditionne un peu les gens par rapport à un certain idéal. Donc nous pensons que véhiculer ces choses, ça fait prendre conscience. Ça fait prendre conscience. Je rappelle que tous ces films, vous êtes les scénaristes, c'est vous qui avez écrit les scénarios. En même temps, vous avez écrit 3 autres livres. Je dirais que vous êtes très prolifique. Quel est le secret en dépit de vos responsabilités professionnelles? Oui, j'avoue que c'est très difficile. Hein. Bon, pour les livres, là, c'est pas trop un gros souci parce que là, même si tu te donnes un objectif de 2 pages par jour, je crois qu'en 2 mois, 3 mois, déjà, tu finis un livre. Mais pour le cinéma, déjà, quand un projet est là et que le temps est là, souvent, ça demande beaucoup plus de travail. Je me rappelle pour la série, quand j'écrivais souvent à 4h du matin, je me couchais pour me réveiller encore à 6h30, 7h, et m'apprêter pour aller au travail. C'était très difficile pour l'écriture parce que la série, sûrement, je crois que ça fait 400 pages. Bon, en termes d'écriture, je dirais que je suis littéraire. J'ai fait littérature au lycée. Je n'ai pas fait lettres quand même à l'université, j'ai fait sociologie. Mais j'ai toujours eu un gros faible pour la littérature. Et écrire, vraiment, ça m'est facile. Même dans mon cadre professionnel, je suis très actif quant à l'écriture de ce que nous appelons proposal. C'est-à-dire quand on a des projets à soumettre à des bailleurs pour financement. Je suis très volontaire volontariste pour ces écritures-là. En tout cas, j'aime beaucoup écrire. Et je pense que, bon, chacun a un peu un côté faible et un côté un peu fort. Je crois que moi, mon atout, c'est vraiment le fait que j'aime ça et que je peux le faire un peu facilement. Si tu as un conseil pour ceux qui veulent écrire? Du courage. Beaucoup de courage. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on écrive pour les autres. Écrivons pour nous-mêmes d'abord. Apprécions ce qu'on écrit et peut-être les autres vont apprécier. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à un grand succès quand tu écris au Mali. C'est très difficile. Mais il faut se dire que aussi, ce n'est pas tout le monde qui ignore les efforts que les uns et les autres font quand ils écrivent. Beaucoup savent quels efforts ils sont en train de faire. Et on sait qu'ils ne le font pas pour vivre de cette écriture. Parce que je ne connais pas un écrivain au Mali qui n'a pas son activité professionnelle qui lui permet de subsister. Mais ils le font par passion. Mais ce n'est pas n'importe qui aussi qui peut écrire. Donc ceux qui écrivent, vraiment il faut reconnaître leur effort, leur courage. Et surtout cette passion qu'ils ont pour l'écriture. Il faut les encourager en réalité. Le message est passé et c'est le courage. Vous avez créé une structure ici de production, Global Talent. Vous pouvez me dire un mot sur ça? Ouais, Global Talent, c'est juste une association qui nous permet de nous retrouver pour supporter un peu la production cinématographique. C'est vraiment une association. Je crois qu'il y a une autre structure qui s'appelle Global Talent, mais qui est vraiment de l'entrepreneuriat. Mais nous, c'est vraiment uniquement que la culture pour supporter la production audiovisuelle. Au fait, parce qu'on a vu aussi que pour prétendre à des financements de certains organismes pour les activités culturelles, il faut être dans une organisation. Et c'est pour ça qu'on a fait cette association-là. Et c'est vraiment ça qui supporte toutes nos productions cinématographiques. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot? Bon. Un dernier mot, je dirais peut-être que ça c'est à l'endroit de nos autorités publiques pour encourager le Malien généralement à lire. Ce n'est pas un plaidoyer pour les livres que nous écrivons, mais vraiment il faut que nous sachions que la lecture contribue à la culture générale et la culture générale contribue à la compréhension du monde. Même pour faciliter la gestion publique, il faut que les gens disposent d'une certaine culture générale. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on est en train de combattre l'éducation. Il faut vraiment que les Maliens lisent. J'aime à rappeler un jeune frère qui a fini avec l'université et à qui je demande s'il a déjà lu un livre. Depuis qu'il a fini, il me dit non. Et récemment, j'ai fait un petit sondage à l'occasion de l'écriture d'un article du blog de Global Talent.
J'ai demandé à peu près une vingtaine de collègues, Bamako, Tombouctou, qui est-ce qui a lu un livre sur les deux dernières années. J'en ai trouvé un seul, incontable. Il y en a qui me disent, ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas lu un seul livre. Donc, vraiment, il faut exhorter nos autorités pour que les gens puissent lire. Si vous voyez les classements des pays qui lisent le plus au monde aujourd'hui, vous allez voir que c'est les pays, soit les plus développés ou les pays qui ont une bonne marge pour se développer aujourd'hui. C'est l'Inde, l'Indonésie, bien sûr, ça tient compte du nombre de populations. Là, vous allez voir qu'un Israélien lit à peu près 50 fois plus qu'un Malien. Et ça donne un peu le niveau de développement de ces deux pays, quoi. Donc, mon dernier mot, vraiment, c'est qu'il faut que les gens comprennent que sans un peuple cultivé, on ne peut pas aspirer à grand-chose. Merci. Donc, je crois que le message est bien passé. Chers téléspectateurs de la FETV, nous étions en compagnie de Yaya Fomba. Avec lui, nous avons parlé de son roman « Les soldats de l'espérance ». Nous avons aussi parlé de ses productions cinématographiques. Donc c'est là que notre émission prend fin. Nous vous donnons rendez-vous sur la même chaîne à la même heure. Au revoir.